Eh bien salut tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui, on se retrouve sur Unlisted. Les résoluions, ça nous fait 3 vidéos en moins d'un mois, rassurez-vous, j'y crois pas non plus. Mais voilà, vous avez été quelques-uns à me réclamer de faire des vidéos sur ce jeu, alors je me suis dit que j'allais m'y pencher un petit peu, le tester et vous dire ce que j'en pense, et potentiellement vous faire plus de vidéos dessus à l'avenir. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, histoire que je jauge à quel point ce jeu vous intéresse. Comme vous le voyez dans la vidéo, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, il s'agit d'un nouveau jeu de Seconde Guerre mondiale totalement gratuit, qui est développé par les mêmes types que War Thunder, donc Gaijin. Autant vous dire qu'ils ont déjà un petit peu d'expérience dans le domaine. Alors ce jeu a quelques particularités, alors encore heureux parce que sinon tous les jeux se ressembleraient, vous allez me dire. Mais ici par exemple, vous ne contrôlez pas qu'un seul soldat, vous êtes littéralement à la tête d'une escouade entière. Donc vous êtes accompagné par des IA lorsque vous spawnez et vous pouvez à tout moment changer le contrôle, changer le soldat que vous contrôlez plutôt. Ça sonne un peu mieux en français comme ça. Franchement, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. En plus, ça donne lieu à des batailles qui sont un peu plus peuplées qu'on dirait, puisque ce n'est que du 20 contre 20, en tout cas pour le moment. Hein. Je précise que le jeu est un early access, donc tout ça est susceptible d'être modifié et en tout cas pour sûr amélioré. Hein. Ne prenez pas la vidéo pour le produit fini si vous voulez attendre que le jeu ait fini d'être développé. C'est toujours pas le cas, clairement pas. Là, on est en early access, au début de l'early access même. Bref, comme vous le voyez dans les clips qui défilent dans la vidéo, c'est aussi un jeu qui se passe sur plusieurs fronts actuellement. Il y a deux fronts qui sont ouverts au grand public, nous avons la Normandie et la bataille de Moscou. Les deux sont vraiment très différents et vous allez le voir, ça rallonge énormément la progression du jeu. Si vous voulez un jeu où tout se débloque vite, c'est clairement pas pour vous parce que ici on est face à un jeu dont la progression est assez bordélique. Hein. Je vais être franc avec vous, c'est un truc qui m'a frappé dès les premières parties. Au début, vous débarquez sur le jeu, vous comprenez absolument rien au système de blocage. Bon, je vous rassure, après quelques parties, après un peu de temps passé sur le jeu, ça devient très clair. Mais au début, on est un peu débordé par tout ce qu'il y a. Il y a 300 000 monnaies différentes et bon, au lieu de faire une seule monnaie comme dans tous les jeux, j'ai envie de dire, non, là ils ont décidé de faire un truc un peu casse-tête. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est juste pas clair au début, ça donne pas, ça décourage un peu, mais bon, y a pas vraiment de raison quoi. Mais ça aurait pu être plus amical entre guillemets. Et du coup, sur chacun de ces fronts, vous allez pouvoir monter les deux factions qui y participent, c'est-à-dire que chaque campagne, ils appellent ça campagne, est indépendante l'une de l'autre. Si vous êtes super avancé en américain sur le front normand, et tant pis pour vous, si vous allez sur le front soviétique, vous aurez absolument rien, vous devrez tout recommencer, que ce soit chez les Russes ou chez les Allemands. Et pareil, hein, d'ailleurs, si vous jouez les Allemands en Normandie, votre progression ne sera pas synchronisée, entre guillemets, avec les Allemands du front de Moscou. Tout ça pourquoi? Parce que les escouades, l'équipement, etc. est différent et donc c'est impossible de faire un tronc commun, en fait, aux deux factions. Et au niveau du réalisme, c'est aussi quelque chose d'un peu unique en fait. Pour ceux qui se souviennent, j'avais déjà parlé un peu de Forgotten Hope il y a quelques temps, donc un mode pour Battlefield 2, qui est aussi d'ailleurs disponible totalement gratuit. Si vous voulez, je vous mets la vidéo en fiche là à l'instant tout de suite. C'est-à-dire qu'on est un peu à un juste milieu entre un Battlefield et un Red Orchestra ou un Rising Storm, comme vous voulez. Dans le sens où en fait, toutes les armes font beaucoup de dégâts, mais il y a pas mal d'éléments arcade autour qui font que c'est pas une expérience 100% réaliste. Et c'est un jeu qui est aussi très très dynamique. Très peu de temps mort et au final vous vous retrouvez jamais à vous ennuyer en fait parce qu'il se passe toujours quelque chose, ça pète toujours de partout. Et c'est aussi amplifié par le fait que lorsque vous mourrez vous repassez instantanément sur un des membres de votre escouade qui est encore en vie, donc fatalement il n'y a pas de temps mort quoi. Au niveau des véhicules, à l'heure actuelle il y a des escouades de tankistes et d'aviateurs, j'imagine que plus tard il y aura peut-être des camions, des jeeps, j'en sais rien, mais pour le moment voilà, c'est blindé et avion. Autant vous dire que pour le moment les deux sont assez pénibles quand on est à pied, enfin en tout cas avec l'équipement que j'ai, hein, pour le moment j'ai pas encore grand chose à part des explosifs à lancer, mais j'imagine qu'une fois qu'on a des lance-roquettes ou un peu de quoi se charger des chars, ça va un peu mieux. Mais au début, il n'y a rien de tout ça. Hein. Vous devrez aller près des chars, leur balancer des explosifs, mais pour ça, vous devez arriver près des chars. En parlant de chars d'ailleurs, vous vous en doutez, hein, c'est quelque chose de très équivalent à War Thunder. Il y a même la caméra X-Ray, donc je pense que c'est globalement un simple copier-coller de tous les modules de War Thunder en ce qui concerne les blindés, à l'exception près qu'on se retrouve exclusivement coincé en vue première personne. Bref, en tout cas, mes premières impressions sont vraiment plutôt bonnes, hein, et je suis sûr que d'ici quelques années, quelques mois peut-être même, ce sera un jeu qui sera vraiment, vraiment très, très chouette. Il a un potentiel qui est absolument énorme, et je doute qu'à l'heure actuelle, il soit pleinement exploité. Alors, bien entendu, il a beaucoup de défauts actuellement, hein, notamment du côté de l'équilibrage. Hein, j'ai parlé des avions qui bombardent un peu beaucoup pour le moment. Je sais pas si c'est amené à changer, mais c'est peut-être quelque chose à explorer quand même. Mais après, il faut relativiser, parce que étant donné qu'on respawn vite, etc., qu'on a plusieurs vie entre guillemets avec les membres de notre escouade, au final est-ce que c'est pas juste
il faudrait qu'on s'habitue peut-être à plus mourir, enfin je sais pas, c'est la vision du jeu, peut-être qu'elle est comme ça, je ne sais pas, mais pour sûr, il y a des pistes d'amélioration évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté si vous jouez au jeu ou si vous l'avez essayé aussi. De mon côté en tout cas, bah, je vais très certainement continuer d'y jouer, essayer de m'y pencher un peu davantage et peut-être vous sortir de nouveaux guides pour remplacer Heroes and Generals progressivement sur la chaîne. Bon, rassurez-vous, je dis ça complètement pour vous troller, mais Heroes and Generals, il faudra qu'on en reparle bientôt parce que je pense que le jeu ne va clairement pas bien et que, bon, soyons francs, hein, c'est un jeu qui est clairement dans la merde et amené à mourir d'ici quelques petites années, je pense. Hein. Le contraire m'étonnerait, en fait. Le contraire m'étonnerait. Je pense qu'on ne se verra pas sur Heroes d'ici 5-6 ans parce que le jeu sera tout simplement éteint. Enfin bref, on n'est pas ici pour parler d'Heroes et on va conclure d'ailleurs cette vidéo pour pas partir en digression pendant 10 millions d'années. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, ça fait très longtemps qu'on s'était pas parlé comme ça, que j'avais pas fait une vidéo normale entre guillemets. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir et je serai très content de vous retrouver une prochaine fois sur un prochain jeu, je n'ai absolument aucune idée duquel. Ciao bye bye, bonne journée à vous.